Hello tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour notre rendez-vous du week-end. C'est l'arrivée de Xur, il est là du 20 au 22. On est en mars, c'est le printemps, c'est super, on va pouvoir aller voir de plus près ce qu'il a à nous proposer. Donc je me suis un petit peu fait spoiler sur Twitter et j'ai pu remarquer que le leak n'était pas 100% confirmé. Et je vais revenir à ce sujet sur l'avenir du leak que je vous propose sur notre chaîne un petit peu plus tard. Donc on va d'abord regarder le stuff pour ce qui a été confirmé. Donc on voit bien qu'il y a le voile d'apothéose pour l'arca, l'ombre et lumière, donc l'arme exotique qui avait été annoncée, l'engramme de casque et bien évidemment les munitions violettes. Donc ça c'est cool. Par contre, on retrouve un stuff différent pour les chasseurs et pour les titans puisqu'on a MK44 écartez-vous pour les titans, donc des bottes, et le masque du troisième homme pour les chasseurs, un très très bon casque malgré tout. Cependant, s'il y a des personnes qui s'attendaient à ce qui avait été leaké, comme par exemple les gants pas de plan B et les gants l'échine du jeune Amkara pour chasseurs et titans, effectivement vous allez être déçus. Ensuite, concernant les équipements, on retrouve cette semaine le masque du troisième homme et la rapière des chanceux pour les chasseurs, la forteresse crânienne et l'écusson d'Alpha Lupi pour les titans, le crâne du désespoir et le cœur de feu Praxis pour les arcs. Côté armes, en amélioration, on retrouve l'ombre et lumière, la mort rouge, très bonne nouvelle, l'invective, le stoïque, le jalahorn à nouveau, donc il y a vraiment du lourd côté amélioration, la vérité et le rapace noir. Et enfin, côté rareté, on retrouve la télémétrie des fusils à impulsion, des fusils d'éclaireur et des mitrailleuses. Donc comme je vous l'ai dit au cours de cette vidéo, j'attends beaucoup beaucoup de retours dans vos commentaires. J'aimerais vraiment sincèrement que vous me disiez si vous souhaitez que je poursuive la diffusion des leaks par vidéo, sachant que là on a eu deux erreurs sur le leak qui avait été annoncé, donc le spoil n'était pas tout à fait confirmé. Donc dites-moi, soit je continue les vidéos, soit je vous mets les infos uniquement sur Twitter. Pour ceux qui ne me suivent pas encore, mon compte s'écrit LadyBal tout collé, sans accent, sans rien, avec juste le petit tiret du 8 à la fin. De toute façon, vous avez tous les liens dans la description en dessous de cette vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker comme d'hab. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !